Pasteur Maxime Yo, la paix bon Dieu avec nous, bon Dieu bénit nous. Et bon Dieu fait nous grâce. Après-midi, je dis à qui c'est 22 mai 2023. Et nous regardons son grâce, son privilège, son faveur pour moi-même, ensemble avec vous. Et pour chaque leader et leadership, pour chaque soldat, et qui pour chaque combattant aussi, combattant du Christ, mon cap lutte, mon cap combat, mon qui dans bataille, mon cap bataille, et pour être capable exactement pour arriver à aboutir à ce qui est moi depuis le premier mois du mois de janvier à nos jours. Et à jeudi et lundi 22 et 5e mois 2023. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est une faveur. Sire de la victoire, soldat dit Seigneur. Ça veut dire nous déjà pour tes victoires. Avant midi, nous sommes contents pour nous parler de Caillou avec un verset que nous-mêmes nous trouvons dans Somme 144, verset 1er à 2. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droites à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droites à la bataille. Bon Dieu béni. Et grâce bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Et mes frères et sœurs, dans le Seigneur, encore une fois, nous-mêmes, c'est frères, c'est amis, mon cap travail dans la vie, mon cap travail pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Nous tiens pour nous faire et ont un parole ensemble avec nous dans objectif qui c'est et dans Somme 144. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Bah connait qui combat. Je ne sais pas si on a un combat, mais son seul bagage est soupoué. Ou pas dans le combat, et bien on a un combat. Quand vous voulez, quand vous parlez, on a un combat. Et ceci, le monde est spécial. Le monde qui accepte Christ comme sauveur personnel, même côté, on accepte Christ comme sauveur personnel, on choisit, ou même c'est soldat, ou c'est soldat de Christ, ou c'est le monde qui a gourmé. Et ceci, ou pas gourmé avec le monde qui mais on va gourmer avec tous les esprits de l'heure. Mais si on va gourmer, on a bataille. Mon besoin, il y a un monde qui peut batailler ensemble avec vous. À ce moment-là, il faut comprendre, on doit faire zami avec Jésus-Christ, zami avec la Bible, zami avec la prière pour capable faire route là. Parce que la prière, elle est l'eau du chrétien. La prière, c'est vitamine pour l'homme. La prière, c'est force pour capable faire route là. Si vous parlez la prière, vous n'êtes pas capable de faire force, vous n'êtes pas capable de courage, vous n'êtes capable de faire route là. Vous avez failli, vous avez tombé. Parce que lors la prière, vous avez victoire au côté. Vous portez victoire dans le dormi, vous portez victoire dans le jeclé, vous portez victoire à midi, vous portez victoire à minuit, vous portez victoire dans le travail là, vous portez victoire spirituelle, vous portez victoire sociale, vous portez victoire économique, ou votre victoire morale, ou votre victoire en tout point de vie. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous comptons, nous sommes capables de dire dans Somme 144, béni soit l'Éternel, mon rocher. L'Éternel, c'est lui-même qui rocher. Hein? Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Nous connaissons les Moïse et les. Et pas Moïse, les Moïse tapé. Oui, c'est Moïse. Le Moïse t'a fait route là, il était dans le combat, il était besoin de secours de l'Éternel. Le David dit que Somme 144, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droites à la bataille. Et bien, lui-même était dans la bataille, il était besoin pour bon Dieu était là ensemble avec lui, pour être capable de mettre force dans la pointe, pour être capable de mettre épée dans la main droite, pour être capable de faire route là. Et ceci pour être capable de gagner la bataille là. A soye mba konen ki moun e ou gen sou route la ensemble avec ou. Mba konen ki moun ou vle gen sou route la. Mais moi-même, mwen gen Jésus de Nazareth pou m kapab fè route la. Ni le sa bon, ni le sa pa bon. Entre temps, et hors les temps,
nous besoin d'un châssis de Nazareth pour nous capable faire route là. Oui, nous besoin béni soit l'Éternel. Nous demander bon Dieu pour capable bénir route là, bénir famille là, bénir et travail là, bénir que n'importe ça qu'on a pas entreprendre et comme ça pour nous capable gagner bataille là. M'pa connaît qui bataille ici, une bataille physique, m'pa connaît si une bataille économique, m'pa connaît si une bataille sociale. On va connaître une bataille et comme si on t'a dit parfois des monde qui bataille dans l'esprit, dans pensée, dans action yo visible, invisible. Même le faut comprendre à soi, quel qu'en soit bataille pour là-dedans, eh bien prends Jésus-Christ comme sauveur, prends Jésus-Christ pour capable aider dans bataille là ici si ou pas jamais perdre bataille. Oui, on va perdre bataille là parce que Jésus-Christ pas jamais perdre bataille. C'est pour ça David te dit ça. C'est pour ça David te écrit somme dans somme 144 verset 1, il dit béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mande bon Dieu pour capable à toi tout dans bataille là, dans problème là, dans souffrance là, dans calamité là, dans persécution. L'homme dit c'est assez. L'homme dit ou pas avancer. Mettez bon Dieu dans la bataille là. Dans quel qu'en soit menace, mettez bon Dieu à côté, à droite. Et comme ça, on gagne la bataille là. Oui, nous comptons à souhait. Pour nous faire un petit coup de parole ça ensemble avec vous. À souhait. Pour Emmanuel, bon Dieu béni. Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droites à la bataille. Nous connaissons la bataille là. La bataille là, c'est pour le Seigneur. La bataille là, pas pour moi. Bataille là pas pour nous. Bataille là c'est pour le Seigneur qui est lié. Remettre bataille là. Parce que dans Somme 35:7, il dit recommande ton sur l'Éternel. Mettant ta confiance, lui agira. Nous connaissons. Bataille là. Pour nous gagner bataille là. C'est avec Jésus de Nazareth. Et si vous connaissez